FC où bien évidemment Yannick Poissignon a marqué de son empreinte la première montée, il a un avantage confortable de 4. Après le départ, on a également trouvé une carte grise au nom de Mikalek. Oumir Kalek, un nom assez compliqué, donc on connaît. Le CG Turbo, donc, du Vosgien est en tête. Il améliore donc son chrono, qui fait 2,48,490 à la première, ici 2,48. Alexandre Cosson, le jeune frère de Tony Cosson, sur la Renault Clio. On va retrouver, ah ben le voilà, de retour, ça va être sympa. Domine de la tête et des épaules ce classement trouvé de depuis le début de la saison. Il avait déjà emporté. Anthony, merci. C'est gentil à toi d'être venu nous voir et puis à souhaiter que vous ne fassiez pas bien. Citroën C2 Super 1600 arrêté au poste 2 sur rendu mécanique. Les matins ouverts bien sont trop classés. Voilà. Bon, Rabu et Poissignon, 4 encore du côté de Saint-Guéno devant Poissignon et Platon. Sur le tableau du championnat, 4 titres de champion de France à son actif, de nombreuses victoires en rallye également. Jean-Claude leader du championnat d'Europe sur la ligne de départ avec la Mitsubishi T9 de Suzanne Borch. Et Pascal Kahn qui est un petit peu en retrait. Alors que va donner la Mitsubishi? On va savoir dans un instant. Le voilà, un superbe passage. L'addition des deux montées, bien qu'il faille attendre la troisième pour en conclure sur le classement, on a relativement performant. On a la le 71, le oui, nickel, prudent aussi. Elle fait une fixette sur lui. Ah oui, depuis la... on l'a baptisé comme ça, d'accord, le club de Saint-Guéno. Des fixettes. Ah bon, d'accord. C'est la groupe préférée des... Ablin qui va précéder l'autre Kémaille S de Michel Lamiscard et la troisième couleur point du rang pour le pilote de Couteau, Monteil, Miramont, de Candevoire et Chaubard, à la barre, Gautrin, Chabana. Les cigognes écoutent les courses de côte. Absolument. À l'arrivée avec Rémi Bernard, le pilote de la Seat de côte. Apparemment, ça va garder devant. Ouais, ouais. Bon, c'est peut-être la météo car on a malheureusement de gros nuages qui nous arrivent. Mais bon, ouais. On va dire que ça va. Avec une BMW 3, eh bien, il a quasi 7 milliards. Et on le voit sur le championnat de la France. J'allais dire la race et le caprice italien. Face à la raison et à la puissance.
départ, donc, la bio de Marc Suisse. Christian Bralon. On n'est pas la veille en France de voir tous les... Allez, on va regarder côté chrono dans les séries de premier qui nous arrive. Il améliore, point près. Le feuillot de Marc Bigman. Allez, ça y est, c'est parti, bien sûr, depuis quelques minutes. On suit avec la... Et à l'instant, la norma de Hugues Léritier, alors que Frédéric Séguy revient de réaliser deuxième ascension, il avait l'ordre de 57,063. Sur la ligne de départ. Marc Hubert revient de l'eau. On a des locaux en 24 de Vichy, j'avais dit tout à l'heure. Et RC maintenant, il a que depuis cette année, c'est un excellent pilote que vous connaissez en complète avec Sophia, qui est en train de se faire. Non, je ne pense pas. Mais c'est les commissaires, bien sûr, qui vont juger le... Ah, il a des roues dans l'herbe. Il faut des roues dans l'herbe. Peter Doré, Lilian Belge, Cécile Cante, Michael Boré, Joël Marianne de Corse et le Suisse, James Hesch. De même que Peter Doré dans le déjà des problèmes ce matin, et bien il vient d'effectuer une légère sortie d'eau sans gravité au poste de 3. Même. Alors que ce cours aujourd'hui également, on a connu une côte de Peter Roger. Du côté des chevaux, hein, et relâche rien.
bien sur les voitures. Quand ça va,